Oui, c'était notre objectif aussi de faire grandir les joueurs. Je crois qu'on a acquis les deux choses. Et je tire mon chapeau à l'équipe, à mes joueurs, pour avoir atteint l'objectif à 4 journées de la fin de la saison. Une équipe qui se bat pour le maintien, qui a poussé certes, mais qui a buté sur un rage comique Oui. plutôt. Dans le temps fort de Lorient, Raiko a sauvé l'équipe. C'est vrai, il a fait 2, 3 arrêts très bonnes. C'est normal que quand il joue à l'extérieur, l'équipe qui joue à la maison a eu des temps forts. C'était le cas, mais nous aussi, je crois qu'on a contrôlé bien le match. On a eu la possession, on savait que si on perd le ballon dans l'axe, c'était très dangereux, parce qu'avec les 3 attaquants que Lorient a dans l'effectif, avec sa puissance, avec sa vitesse, serait difficile pour nous. C'est pour ça qu'on a essayé de jouer, de faire la sortie de balle sur les côtés, pour pas créer beaucoup de pertes dans l'axe. Et je crois qu'on l'a très bien fait et on a eu l'occasion de deuxième mi-temps de finir le match. Oui, je suis content pour lui parce que tous les attaquants ont besoin de marquer. Mais lui, j'espère beaucoup de lui. Il n'est pas à son meilleur niveau pour l'instant, parce qu'il était blessé par longtemps et j'espère qu'il va revenir très vite à son meilleur niveau. OK. Merci. Bye, bye.